Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, après la Grèce, l'Espagne et le Portugal, la Grande-Bretagne se lance dans une cure d'austérité. Le nouveau gouvernement annonce 7 milliards de coupes dans les dépenses publiques. Les recrutements sont gelés. Les syndicats dénoncent le retour du thatchérisme. Nous serons en direct sur place. Une fillette de 3 ans est morte noyée sur une base de loisirs dans le Gers. Ses parents l'avaient confiée à des proches. Le plan d'eau était pourtant surveillé par des maîtres nageurs. Rebondissement dans l'affaire Hank Skinner, ce condamné à mort américain marié à une Française. La Cour suprême accepte d'examiner sa demande de prélèvement ADN. Elle avait suspendu in extremis son exécution il y a 2 mois. L'escalade entre les deux Corées après le torpillage d'une corvette avec 46 marins à bord. La Corée du Sud accuse sa voisine du Nord et évoque son droit à l'autodéfense. Pyongyang évoque la menace d'une guerre généralisée. Y a-t-il trop d'accouchements par césarienne? Plus prévisible, plus commode, elle représente 1 naissance sur 5 en France et désormais 1 sur 3 aux États-Unis. C'est le dossier de cette édition. Le lundi au soleil, 28 degrés à Strasbourg, 29 à Paris, 32 à Bordeaux. Vous étiez nombreux à profiter de ce premier beau week-end de chaleur. Nous irons dans les Vosges et à la plage. Et puis pas de miracle pour Richard Gasquet. On a cru à la sensation à Roland-Garros, mais le Français qui menait 2-7 à 0 a été sorti par le numéro 4 mondial Andy Murray. Victoire en revanche de Gaël Monfils. Bienvenue dans ce journal. D'abord donc, c'est toute l'économie de l'Union européenne qui se met à marcher au même pas, celui de la rigueur. À son tour, la Grande-Bretagne annonce une cure d'austérité pour réduire les déficits et limiter la dette. Les officiels voyageront désormais en seconde classe. À Londres, Jacques Cardoz. Voici celui qui risque d'être le personnage politique le plus détesté du pays. George Osborne, 38 ans, ami de longue date de David Cameron, est celui qui tient les clés de l'économie britannique et à ce titre, il n'a aucun cadeau à faire. C'est la première fois que ce gouvernement annonce des décisions budgétaires difficiles et ce ne sera pas la dernière. George Osborne, tout fier d'avoir trouvé 7,2 milliards d'euros d'économie à faire tout de suite. Une somme énorme mais dérisoire au regard des 180 milliards d'euros de déficit qu'accuse le pays. Tous les secteurs publics vont y passer. Fini par exemple ces spots publicitaires coûteux qui avertissent des dangers de l'alcool ou d'une conduite dangereuse. Fini aussi les frais de déplacement dispendieux. David Cameron et Nick Clegg se déplacent à pied dans Londres. Prière de suivre l'exemple. D'ailleurs, les billets d'avion en classe affaires seront eux aussi distribués au compte-gouttes. Bref, voilà un programme qui rappelle aux Anglais d'autres temps difficiles. Margaret Thatcher, aux commandes du pays pendant 11 ans, était obsédée par la réduction des dépenses publiques. En bataille permanente contre l'État-providence, voilà ce qu'elle répondait à ceux qui lui demandaient de lâcher du lest. La dame ne fait jamais demi-tour. Et ce qui était le cas il y a 30 ans risque bien de se répéter. On a un sérieux problème, même si ce n'est pas aussi grave que la Grèce. Nous sommes dans les griffes de la récession et il y aura des licenciements. Dans leur immense majorité, les Britanniques s'attendent donc à une vraie cure d'austérité. Bonsoir Jacques Cardoz, on vous retrouve en direct à Londres. Alors précisément, comment est-ce que ce virage économique est accueilli en Grande-Bretagne? Eh bien, j'ai envie de dire ici, David, que austerity, la version anglaise, est un argument de vente, là où austérité, la version française, est un mot qui peut parfois faire peur. Les artisans de ce plan ont prévenu l'administration, c'est une véritable onde de choc qu'ils veulent se propager à l'intérieur de l'administration pour que chacun change son comportement face aux dépenses engagées. Ça, c'est la première partie du plan. La deuxième partie du plan qu'annoncera George Osborne le 20 juin prochain sera encore plus spectaculaire. Et pour George Osborne, d'une certaine façon, il s'agit de gagner une nouvelle compétition, la compétition de la réduction des déficits publics. Jacques Cardoz à Londres, merci Jacques. Et sachez que demain, c'est l'Italie qui devrait à son tour annoncer un plan de rigueur. L'économie encore en France, ce lundi de Pentecôte a été chômé par 4 salariés sur 5. Et alors qu'on parle beaucoup de temps de travail avec le débat sur les retraites, un livre fait beaucoup de bruit, celui d'un journaliste américain qui pointe, je cite, une obsession française, celle des vacances. Nous serions l'un des pays au monde où l'on travaille le moins longtemps et ce serait pourtant une source de stress. Romain Messi, Daniel Lévy avec notre bureau à Poitiers. Un avant-goût des vacances d'été. Ceux-là profitent du soleil et de la mer en ce jour férié. Ils ont fui leur travail et pas question d'en rougir. On a toujours besoin d'avoir plus de congés. Ça suffit pas, 5 semaines par an, c'est peu. Les congés sont là pour effectivement évacuer, il est faux, ils sont nécessaires. C'est vrai que lorsqu'on goûte ça, qui n'a pas envie de prolonger et d'y revenir? Les Français, champions du monde des congés payés, 37 jours par an minimum et bien souvent davantage grâce au RTT,
C'est le constat qu'a pu faire ce journaliste américain qui vit en France depuis 15 ans. Aux États-Unis, la moyenne tourne autour de 15 jours. Et à l'Asie, l'Asie industrieuse, alors là, les Coréens, par exemple, c'est 6 jours à peine. Et encore, on n'ose pas demander au patron de prendre ces jours de repos parce que c'est considéré comme honteux. Souvent en congé, les Français sont pourtant très efficaces dans leur travail. Une étude réalisée en 2009 fait même de nous les champions de la productivité. Ainsi, un Français produit en une heure plus de 25 dollars de richesse nationale. C'est davantage qu'un Américain, qu'un Anglais, qu'un Italien ou même qu'un Japonais. Notre recette, des journées de travail qui n'en finissent pas. Les Américains, par exemple, à partir de 18 heures, ils ont fini de dîner, ils ont devant eux tout l'espace de la soirée pour se détendre. Le Français, par contre, a tendance, notamment dans le secteur privé, à rentrer à la maison même à 8 heures. Le périphérique parisien est vraiment bouchonné jusqu'à 8 heures et au-delà. Donc la journée est très, très longue. Une culture française qui commence sur les bancs de l'école. L'été venu, les élèves épuisés par un emploi du temps démentiel peuvent narguer leurs voisins européens avec deux longs mois de vacances. Autre titre de l'actualité, cet accident sur une base de loisirs dans le Gers. Une fillette de 3 ans est morte noyée. Ses parents l'avaient confiée à des proches. Le plan d'eau était pourtant surveillé par des maîtres nageurs. Sur place, Muriel Lassaga, David Bresse. En hommage à la petite victime, la base de loisirs était fermée aujourd'hui. Mais tout le monde passait outre, car l'appel de l'eau est trop fort, surtout pour les enfants. Vous venez toujours ici en confiance? Oui. Oui, mais avec une surveillance quand même. Hier, la fillette de 3 ans avait été confiée à des amis l'espace d'un quart d'heure. Elle jouait sous cet arbre, assez loin du rivage. Peut-être a-t-elle voulu goûter à la fraîcheur de l'eau. Sans que personne ne s'en rende compte, la petite fille s'est noyée au beau milieu des baigneurs. Elle a été retrouvée juste après le toboggan, au-delà du toboggan. Il y a eu une chaîne humaine qui s'est formée et les gens ont avancé. Ils ne l'ont pas trouvé. Et c'est après, le corps est remonté à la surface de l'eau. 10 minutes, peut-être un quart d'heure de recherche, beaucoup trop. Et pourtant, 2 maîtres nageurs surveillaient le lac. Sur cette zone de baignade, on pourrait même faire avec un seul maître nageur. Mais il y a le toboggan qui était ouvert. Et donc, on a mis un second maître nageur. Pour autant, le maire ne songe pas encore à changer la réglementation. Cet après-midi, autour du lac, les baigneurs nous l'ont répété. La surveillance des parents ou des proches doit être de tous les instants, car dans l'eau, chaque seconde compte pour la survie d'un enfant. Il faut savoir qu'après des années de stabilité, le nombre de noyades avait beaucoup augmenté l'été dernier avec 462 accidents mortels. Ce rebondissement maintenant dans l'affaire Hank Skinner. Nous vous avons parlé à plusieurs reprises de ce condamné à mort américain marié à une Française, reconnu coupable d'un triple meurtre. Il a toujours plaidé son innocence. Eh bien, la Cour suprême, qui avait suspendu son exécution au dernier moment, il y a 2 mois, vient d'accepter sa demande de test ADN. À Washington, Maryse Burgot, Laurent Desbois. Dans le couloir de la mort, les chances de voir un dossier réexaminé sont rarissimes. Elles sont de moins de 1%. Pourtant, c'est exactement ce qui arrive aujourd'hui à ce condamné, Hank Skinner. La Cour suprême vient d'accepter d'examiner son dossier sur le fond. Hank Skinner lui-même nous expliquait en mars dernier combien ses chances étaient minces. Ils ont déjà exécuté 350 personnes depuis que je suis là. En fait, tous mes amis sont déjà morts. Je me sens un peu seul maintenant. Hank Skinner a beaucoup changé depuis sa condamnation pour un triple meurtre en 1995. Il vient de passer 15 ans dans le couloir de la mort en clamant son innocence. La décision ce soir de la plus haute juridiction américaine est, selon certains experts, assez logique. Dans son cas, il s'agit simplement de tests ADN. C'est plutôt courant aujourd'hui, mais ce n'était pas le cas lors de son premier procès. Donc il demande une chose qui aurait dû être faite il y a bien longtemps. Et je crois que la Cour suprême reconnaît cela aujourd'hui. L'histoire d'Hank Skinner a suscité beaucoup d'émoi dans l'Hexagone parce que son épouse vit en France. Elle était au Texas lorsque l'exécution de son mari fut suspendue au dernier moment. Ce soir, elle n'a pas souhaité s'exprimer et dit seulement vouloir profiter de cet instant. Bonsoir Maryse Burgot, vous êtes en direct de Washington. Est-ce qu'il faut comprendre qu'il y a un réel espoir pour Hank Skinner ?
Oui, bien sûr, David, puisque cela interrompt pour l'instant le processus d'exécution. C'est donc une bonne nouvelle pour Hank Skinner, comme pour son épouse française. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que tout cela va prendre encore beaucoup de temps, puisque les juges de la Cour suprême ne se réuniront que cet automne. Alors, de leur décision dépendra aussi le sort de dizaines d'autres condamnés à mort américains, car s'ils acceptent les tests ADN réclamés par Hank Skinner, ce sera un revers pour l'État du Texas qui les a toujours refusés. Et dans ce cas, des dizaines d'autres condamnés à mort réclameront ce même droit à de nouveaux tests. Le cas Skinner pourrait donc faire jurisprudence. Maryse Burgot à Washington. Merci Maryse. L'actualité judiciaire encore, mais en France, cette fois avec cette affaire digne d'un roman policier dans la région de Grenoble. Une femme est accusée d'avoir tué son mari pour toucher l'assurance vie. Jusque-là, rien que de très ordinaire, mais il apparaît que deux autres de ses anciens compagnons sont également morts et dans des conditions étranges. Certains commencent à parler là-bas de veuves noires. Enquête Virginie Fichet et Jean-Claude Martin qui ont pu interroger l'un des témoins importants du dossier. 31 octobre 2008, le corps de Daniel Cano, 58 ans, est retrouvé ici, calciné sur le siège arrière de sa voiture. Les analyses révèlent la présence de fortes doses d'anxiolytiques dans le sang. Tout semble accréditer la thèse d'un suicide. Pourtant, les gendarmes doutent et s'intéressent à la veuve de Daniel Cano, Manuela. Le passé de cette femme de 50 ans ressurgit et jette le doute, notamment dans l'esprit de Nicolas Cano, le fils de la victime, qui n'a jamais cru au suicide de son père. Le jour où j'ai eu la connaissance de son passé, bah c'est vrai que ça m'a laissé perplexe parce que je me dis... Est-ce que tu connais réellement cette femme? Est-ce que pendant ces quasi 20 ans que tu as vécu avec elle, est-ce que tu n'as pas vécu avec une autre personne que celle que tu pensais? Au fil de l'enquête, il apparaît en effet que les anciens compagnons ou maris de Manuela Cano ont tous été confrontés à la mort. Deux d'entre eux ont réchappé d'une surdose médicamenteuse. Un autre a été retrouvé mort, asphyxié par les gaz d'échappement de sa voiture. Enfin, en 1991, Thierry Le Chevalier, son dernier compagnon avant sa rencontre avec Daniel Cano, a péri dans l'incendie d'un débarras dans une de ses maisons. Accident ou suicide, Chantal Le Chevalier, son ex-femme, n'a jamais été convaincue. Pour moi, il n'était pas suicidaire. Je l'ai vu la veille ou l'avant-veille. Il allait parfaitement bien. Et bon, il avait des tas de projets. Et il m'a dit, Chantal, je vais la quitter, j'ai peur. Dans cette affaire, Manuela Cano est mise en cause mais bénéficiera d'un non-lieu. Il y a aujourd'hui prescription. Concernant le décès de Daniel Cano, elle est mise en examen pour homicide et incarcérée depuis 2 mois. Le présent et le passé s'entrechoquent, son avocat condamne tout amalgame. Ce que je déplore, ce que je conteste, c'est l'utilisation de ce passé. Je trouve ça inadmissible, puisqu'on va obliger Madame Cano à se défendre de comportements anciens pour lesquels elle n'a jamais eu à s'expliquer. Quant au mobile, Manuela Cano aurait perdu 100 000 euros en jouant au casino. À l'insu de son mari, mais en utilisant une procuration, elle aurait alors contracté un emprunt, aujourd'hui soldé, suite au décès de Daniel Cano. Un mobile fantasque pour la défense de cette veuve qui, depuis sa cellule, clame son innocence. La justice, toujours avec les progrès de l'enquête sur la fusillade du Val-de-Marne et la mort d'une policière municipale, les policiers sont sur le point d'identifier un troisième homme. Ils ont la conviction d'avoir affaire à un commando de professionnels, entre guillemets, du grand banditisme. Loïc Delamornay, Marie Cazot. Il n'a toujours rien lâché. Pour les enquêteurs, Malek Kider est un bandit à l'ancienne. Il ne donnera pas les noms de ses complices. Pour ses avocats, c'est un truand d'honneur. Il n'est pas un tueur de policiers. En garde à vue, Malek Kider raconte qu'il a pris la fuite dès le début, puis est retourné se cacher chez lui, voulant prouver à tout prix qu'il n'était pas sur les lieux de la fusillade mortelle. Pendant que les autres sont en train peut-être de tirer sur les policiers, voire de brûler la voiture qui était utilisée, lui il est à sa banque, il est au téléphone avec son employeur. Et vous savez comme moi que des téléphones bornent à des lieux précis, sont comme des GPS. Et donc il a borné et on sait très bien où il est. Donc l'idée c'est de prouver à la police, en traçant les appels téléphoniques, qu'il n'est pas un tueur de flics. Et d'ailleurs ce n'est pas un tueur de policiers. Ce soir on connaît plus précisément le déroulé de cette équipée mortelle. Des policiers repèrent à Créteil un fourgon suspect. Poursuivis, les malfaiteurs appellent leur complice, Malek Kider, qui devait les rejoindre et qui retourne chez lui. Les autres poursuivent sur la 4 et à hauteur du pont de Nogent, ouvrent une première fois le feu sur les policiers et les automobilistes. Puis le commando prend la sortie 8 à Villiers-sur-Marne, crée un accident,
Des policiers municipaux arrivent, les malfaiteurs ouvrent le feu, Aurélie Fouquet est tuée. Le commando s'empare alors d'une Peugeot 206 pour s'enfuir. À Champs-sur-Marne, il braque une autre voiture et échange la 206 pour une Mercedes qui sera finalement abandonnée à Noisy-le-Grand. C'est là que le commando s'évanouit dans la nature. Les 120 enquêteurs chargés de l'affaire avancent à grands pas. En plus de Malek Kider, un deuxième suspect, un membre du commando blessé dans la fusillade, a été identifié grâce à son sang. Un troisième homme est suspecté. Il a été filmé par une banale caméra de surveillance à un arrêt de bus. L'actualité à l'étranger avec d'abord ce parfum de guerre froide en Asie. En quelques jours, la tension est brusquement montée entre les deux Corées. Après le torpillage d'une de ses corvettes avec 46 marins à bord, la Corée du Sud accuse le régime communiste du Nord et évoque son droit à l'autodéfense. Pyongyang agite la menace d'une guerre généralisée. Les États-Unis s'en mêlent. Amaury Guibert. La corvette Chenoan trône aujourd'hui comme un vestige de guerre, renflouée par la Corée du Sud, qui tient là la preuve de l'agression de son voisin nord-coréen. Une enquête internationale vient en effet de conclure que le naufrage était le résultat d'un tir de torpille d'un sous-marin du Nord. La Corée du Nord paiera le prix à la hauteur de ses provocations. Je prendrai des mesures fermes pour que le Nord réponde de ses actes. Mesure immédiate, la Corée du Sud va reprendre la guerre psychologique en remettant en fonction ses gigantesques haut-parleurs. Ils diffusent à la frontière des messages hostiles au régime nord-coréen. Car entre les deux Corées, les tensions sont récurrentes. Après la guerre de 1950 à 1953, seul un armistice a été signé. Aujourd'hui, la Corée du Nord affirme que les deux pays sont proches de la guerre. De plus en plus repliée sur elle-même, la dictature communiste joue la surenchère, provoquant la réaction très ferme des États-Unis. Nous demandons à la Corée du Nord de cesser ses provocations, de stopper ses menaces et ses agressions envers ses voisins. Mais les États-Unis doivent convaincre la Chine, l'allié historique de la Corée du Nord, de voter des sanctions au Conseil de sécurité. Au-delà des apparences, la crise oppose aussi les deux grandes puissances mondiales. En bref, un calme précaire est revenu en Jamaïque où les seigneurs de la drogue défient ouvertement les autorités. Deux policiers au moins ont été tués dans des affrontements ces dernières heures. Les gangs cherchent à éviter l'arrestation et l'extradition d'un parrain présumé vers les États-Unis. L'état d'urgence est déclenché dans la capitale et ses environs. Direction la Hongrie maintenant, qui connaît une poussée nationaliste depuis les dernières élections. Et oui, au cœur de l'Europe, un groupe d'extrême droite a fait son entrée au Parlement, affichant délibérément les symboles des milices néo-nazis. Quant aux conservateurs désormais au pouvoir, ils rêvent de réformer la Grande Hongrie qui rassemblerait les minorités hongroises des pays voisins. Envoyé spécial Arnaud Boutet, Thomas Henkel. Tout de noir vêtus, ils organisaient des patrouilles musclées dans les villages Zigan. La garde hongroise, ce groupe paramilitaire au décorum fascisant, pouvait réunir dans les rues de Budapest des milliers de supporters. La garde hongroise a été interdite l'an dernier, mais son emblème bicolore a fait son entrée à l'Assemblée, portée par le chef de l'extrême droite, un écusson rouge et blanc, celui des milices pro-nazis de l'entre-deux-guerres. Beaucoup pensent que notre présence dans ce Parlement est déjà une provocation en soi. Il s'agit surtout d'un geste de solidarité pour les hommes de la garde hongroise. Sous les dorures du Parlement, l'extrême droite compte 47 députés. La droite dispose de la majorité absolue, une première depuis la fin du communisme. Dans ce pays européen depuis 2004, les électeurs attendent un sursaut. Ça nous donne peut-être une mauvaise image, ce n'est peut-être pas très bien, mais c'est peut-être aussi le prix à payer pour qu'enfin on se réveille et qu'on trouve des solutions. Il y a des gens d'extrême droite qui ont été condamnés et qui se retrouvent à l'Assemblée. Moi, ils me font peur. Partout, les statues célèbrent les grands hommes, mais le thème de la nation demeure une priorité. Les conservateurs au pouvoir veulent accorder la nationalité aux minorités hongroises des pays voisins. Il serait 500 000 Hongrois de souche en Slovaquie, 1 million en Roumanie. Le gouvernement tente de rassurer. Certains nous accusent d'expansion, voire d'agression. C'est faux. Nous voulons simplement régler la situation. Pour cet historien, la surenchère patriotique entre la droite et l'extrême droite permet d'éviter certains sujets.
Maintenant, actuellement, en Hongrie, on fait beaucoup de bruit autour de la nation pour faire oublier les problèmes économiques. C'est beaucoup plus difficile de résoudre les problèmes économiques dans la crise actuelle. Le 4 juin aura lieu l'anniversaire du traité du Trianon, synonyme du découpage de la Hongrie. Aujourd'hui, 90 ans plus tard, de nombreux Hongrois ne l'ont toujours pas accepté. Il est 20h18, restez avec nous. À suivre, y a-t-il trop de césariennes par commodité? La méthode est utilisée pour un accouchement sur 5 en France et désormais 1 sur 3 aux États-Unis. C'est le dossier de cette édition. Un lundi au soleil, 28 degrés à Strasbourg, 29 à Paris, 32 à Bordeaux. Vous étiez nombreux à en profiter. Reportage dans les Vosges et dans les Calanques. Et puis Federer qui se promène, mon fils qualifié mais Gasquet battu. Nous irons à Roland-Garros où le public a vibré aujourd'hui. Mais d'abord, on a retrouvé la trace de Copernic. Nicolas Copernic, qui avait le premier compris que la Terre tourne autour du Soleil et non l'inverse. C'était au XVIe siècle, mais l'astronome avait été enterré dans l'anonymat et sa tombe n'était pas identifiée. Eh bien, c'est chose faite au terme d'une enquête romanesque. José Blanc-Lapierre. Des obsèques prestigieuses pour Nicolas Copernic, celles que l'Église lui avait refusées à sa mort en 1543. À la fois astronome et prélat, il fut le premier à dire que la Terre tournait autour du Soleil. Pour cela, au XVIe siècle, il fut mis au banc de l'Église. Copernic est mort seul, inconnu. Ici, personne n'avait compris le sens de ses recherches. Il est devenu célèbre plus d'un siècle plus tard. Or, on sait seulement aujourd'hui que le crâne et les ossements contenus dans ce cercueil sont vraiment ceux de l'homme de science. En 2005, on suppose que ce crâne, découvert dans la cathédrale où Copernic était chanoine, lui appartient. Le visage est reconstitué virtuellement et on lui trouve une étrange ressemblance avec le physicien. Manquer la preuve par l'ADN, obstacle insurmontable mais pas pour le chercheur qui a retrouvé dans un livre utilisé par Copernic des cheveux qui, une fois analysés, montrent le même profil génétique qu'une dent du crâne retrouvée dans la cathédrale. Sous cette dalle de granit, il s'agit donc bien des restes de celui qui a eu l'audace d'avancer une théorie que l'Église a fini par accepter au XXe siècle. La santé, y a-t-il aujourd'hui trop d'accouchements par césarienne? Il y a quelques années encore, elle était pratiquée en dernier recours. Aujourd'hui, elle représente les césariennes, une naissance sur 5 en France et surtout une sur 3 aux États-Unis. Qui ont régulièrement quelques années d'avance, on le sait, sur le plan médical. Alors faut-il parler de césarienne de confort, de césarienne par commodité? C'est le dossier de cette édition. Il est signé de nos correspondants, Maryse Burgo, Aaron Diamond. Dans une banlieue aisée de Washington, une maman pressée, soucieuse de tout organiser. D'ailleurs, pour la naissance de son deuxième enfant, elle a programmé une césarienne. C'était beaucoup plus facile de s'organiser et de prévoir une personne pour garder ma fille aînée. On n'a pas eu à se précipiter à l'hôpital en pleine nuit sans savoir ce qu'on allait faire avec elle. David, 8 mois, qu'elle récupère ce soir à la crèche, est donc né par césarienne de confort. Sa fille, en revanche, est née par voie naturelle. Elle pesait 3,8 kg. Une expérience douloureuse, explique cette Américaine. Pour son petit deuxième, elle a donc demandé à son médecin une césarienne. Il n'y a vu aucun inconvénient. Il m'a dit, vous savez, il y a beaucoup d'avantages pour le bébé avec une césarienne. Moins de stress pour le bébé, moins de stress pour vous. Il m'a donc beaucoup encouragée et ça s'est très bien passé. En fait, aucune étude scientifique ne prouve que les bébés nés par césarienne sont moins stressés. Pourtant, aujourd'hui, un tiers des femmes américaines accouchent ainsi. Un record dans le monde. Et si certains médecins encouragent cette intervention chirurgicale, d'autres s'alarment. Ce n'est pas un rendez-vous chez le coiffeur. Une césarienne est une grosse opération avec anesthésie, incision de la paroi utérine et perte de sang. Stopper le phénomène de ces césariennes de commodité, c'est le combat de ces hommes et femmes, des mères de famille, des infirmières, des médecins. Ils organisent aujourd'hui une marche dans les rues de Washington. Leur message, rappeler aux femmes qu'accoucher naturellement, c'est tout simplement beaucoup mieux. Certaines personnes ont un mode de vie qui les incite à vouloir programmer la naissance. Mais ce n'est pas bien de faire ça quand le bébé n'est pas prêt. Certains médecins le font parce qu'ils ont peur d'être poursuivis en justice s'il y a un problème avec le bébé.
Et même Amnesty International s'en mêle au nom des droits fondamentaux des femmes et rappelle cette donnée. Une césarienne est en fait deux fois plus chère qu'un accouchement par voie naturelle. Bien sûr, une clinique ou une assurance privée qui essaie d'abord de gagner de l'argent vont plutôt conseiller l'accouchement qui rapportera le plus. Le système de santé américain, largement privatisé, explique donc en partie cette inflation de césarienne non nécessaire. Une solution où l'on note son accouchement dans un agenda, au même titre presque qu'un rendez-vous professionnel. Des images qui font du bien maintenant, celles de ce premier grand week-end de beau temps que nous venons de vivre. Il a fait chaud, très chaud aujourd'hui, avec des températures bien au-delà des moyennes. Des forêts des Vosges aux Calanques de Cassis. Reportage Christophe Petro, Antio Stahlschmidt avec Nabila Tabouri. Bien sûr, l'eau est un peu fraîche, à peine 16 degrés. Mais en deux jours, le fond de l'air s'est drôlement adouci. Nous sommes dans les Vosges. Après un printemps pluvieux et glacial, ici les premiers rayons de soleil étaient attendus de pied ferme. Là voilà, c'est l'été qui arrive vraiment et je pense qu'il va durer. Je pense qu'il va y avoir, il va faire très chaud en Alsace cet été. On a passé une semaine absolument exécrable. Dès qu'on a vu le premier rayon de soleil, on s'est décidé avec le chien, lui il n'en peut plus non plus. Dans les Vosges, on patauge et à Marseille, on pagaie. Ici aussi, le soleil ces derniers jours, c'était un peu l'arlésienne. Pour fêter son arrivée, on a ressorti les maillots de bain des armoires. 26 degrés à l'ombre, c'est presque l'été. On espère pas ressortir les pulls, là, parce que bon, on n'avait pas trop l'habitude du mauvais temps ici, mais bon, non, je pense que ça s'est bien installé, oui. Ça permet de nous oxygéner et voilà, pour repartir demain au boulot, hein, parce qu'on est, on bosse ici, hein, donc c'est pas encore les vacances, mais ça y ressemble en tous les cas. Ça fait plaisir. Les Calanques et les terrasses ont été envahies par les promeneurs du lundi de Pentecôte. Cet après-midi, sur la plage de Sormiou, les places étaient convoitées. C'est vraiment, vraiment agréable. Puis bah, après, on va aller se baigner. Elle n'est pas si froide que ça. Pas si froide, ça reste à voir. Elle est gelée. On vous a vu nager. Oui, mais c'est juste pour impressionner ma femme. Et si beaucoup devront se rhabiller dans les prochains jours, restent les souvenirs du plus beau week-end de mai pour l'instant. Un bain de soleil et de chaleur aussi pour Nicolas Sarkozy qui a effectué ce matin une visite surprise avec Carla Bruni-Sarkozy à la ferme géante installée par des agriculteurs sur les Champs-Élysées. Promenade entre moutons, lavande et bananiers. Une visite, cela fait toujours plaisir, mais ce qu'il faut, c'est qu'il nous écoute, a commenté un agriculteur. Image signée Alain Dubas. Le tennis à Roland-Garros, pas de miracle, je vous le disais, pour Richard Gasquet. On a cru à la sensation, mais le Français a été sorti par le numéro 4 mondial, Andy Murray. Images et autres résultats à Rontanzit, José Boulestex. Une sortie avec les honneurs. Richard Gasquet face à l'Écossais, Andy Murray, numéro 4 mondial, vient de frôler l'exploit. Blessé en 2008, suspendu en 2009 pour un contrôle positif à la cocaïne, le Français, cette année de retour à Roland, s'arrache pour mener 2-7 à 0 face à Murray. Gasquet est devant, mais physiquement épuisé. Le Français lâche et perd au final en 5-7 après plus de 4 heures de jeu. Autre tricolore à la trappe, Paul-Henri Mathieu, malade, il abandonne. La bonne nouvelle de la journée est signée Gaël Monfils. En 4-7, le Français chouchou du public se défait péniblement de l'Allemand Kindelmann. Une dure entrée en matière. Je m'attendais à avoir un meilleur match aujourd'hui, un meilleur match, des meilleures sensations. C'est bien, je m'en sors, mais j'espère que voilà, je me rattraperai tout de suite au prochain match. Mon fils, quart de finaliste l'an dernier, continue l'aventure. Au prochain tour, il affrontera l'Italien Fognini, un adversaire à sa portée. Une anti-star maintenant, elle s'appelle Cathy Melua. Elle vend des millions de disques, elle n'a que 26 ans et sort déjà son 4e album. C'est l'une des voix féminines de ces dernières années, avec Norah Jones et d'autres. Christophe Hérault, Umberto Aguiar. Avec une troupe de gladiateurs et une mise en scène baroque, c'est le retour de Cathy Melua. Un retour et une surprise pop-rock pour celle que l'on surnommait la petite sœur de Norah Jones. Je pense que c'est important de se mettre en danger, de ne pas être effrayé par le risque et d'accepter les défis. Pour ces retrouvailles, nous avions rendez-vous à Londres. Un petit club. I put my heart in a red balloon.
et une balade en taxi. À 26 ans, sa vie ressemble déjà à un carnet de voyage. Une enfance en Géorgie, aux confins du Caucase. Un passage par Belfast pour le parfum nostalgique des balades irlandaises. Et aujourd'hui, c'est une vraie anglaise. En 3 albums, il y a eu 10 millions de disques vendus. Pour sa nouvelle production, c'est un voyage vers le futur. J'ai toujours détesté la musique moderne. Je déteste la technologie. Je préfère la vieille école, les musiques traditionnelles. Mais il fallait bien que je me mette au goût du jour et que j'accepte la technologie. Cathy Melua tente un savant mélange entre le passé et le futur. Elle trace sa route à 26 ans. On dirait déjà qu'elle a vécu une vie entière de musicienne. Une dernière image, celle d'un certain Franck Ribéry. Il a rejoint à son tour l'équipe de France à Tignes pour les dernières heures de stage en altitude avant un match amical la semaine prochaine contre le Costa Rica. Franck Ribéry qui devrait évoluer à l'aile gauche, c'est ce qu'il aime. Comme chaque lundi, voici la question de la semaine. Faut-il reculer l'âge légal de la retraite fixé actuellement à 60 ans? Oui ou non, à vous de cliquer sur la page 20h de notre site France2.fr. Nous vous avons déjà posé cette question il y a quelques mois. On verra donc si votre avis a évolué. Résultat jeudi, bien sûr. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'un des principaux titres. Après la Grèce, l'Espagne, après le Portugal, la Grande-Bretagne se lance dans une cure d'austérité. Le nouveau gouvernement annonce 7 milliards de coupes dans les dépenses publiques. Les recrutements sont gelés. Des syndicats dénoncent le retour du thatchérisme. Merci à vous tous. Tout de suite la météo, Laurent Romeschko qui nous promet encore de la chaleur, mais aussi les premiers orages. 20h35, The Closer, enquête prioritaire. 22h05, un œil sur la planète avec Étienne Lénard. Chine, l'appétit du dragon. À demain. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.